Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La République, les États-Unis aux commandes. Félix Tshisekedi a donné le go de l'année culturelle de l'Union africaine, samedi au Palais du Peuple. Le gouvernement Samalou Kondé sera composé de 48 membres, répartition selon les partis et groupements politiques. Vous avez aussi Forum des As, tout en appelant aux réformes électorales. Après Mozuto, la Cinco dit non au glissement des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Pas plus tard, recommandent les évêques membres du comité permanent. Moi, ça m'étonne beaucoup, en fait. Ça m'étonne pourquoi ça m'étonne. Ça m'étonne cet empressement. Bon, je l'ai déjà dit, cette question de glissement et tout. L'Église catholique ne devrait pas se perdre un peu. Son rôle, c'est de veiller sur le respect. Je veux dire, je ne sais pas si c'est son rôle en tout cas, mais le rôle de l'Église, c'est de prendre de bonnes positions, de prendre de positions. De positions du peuple. Ça veut dire de défavoriser, de vulnérable. Je ne sais pas si c'est ça le rôle d'une Église, mais bon, prenons ça comme ça. Parce que Martin Luther King dit, lorsqu'une Église n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux, culturels et même politiques d'un pays, cette Église n'a pas sa raison d'être. L'Église doit être là pour finalement éveiller les gens, c'est vrai, enseigner les bonnes valeurs, prêcher les gens, préparer l'épouse à la venue du Christ. C'est bon, on est bien d'accord. Mais je ne vois pas le mal que l'Église s'intéresse sur les questions politiques. Je ne vois pas le mal. Je ne vois pas. Vous avez dans la Bible plein d'histoires où les hommes de Dieu se sont finalement intéressés à la chose politique. J'ai vu beaucoup. J'ai vu même des hommes de Dieu devenir des vrais politiciens. Dans la Bible toujours. Il y a eu des rois, ce n'étaient pas des rois d'église, c'était des rois des pays, des rois des États. Ils étaient des rois. Là, il n'y a pas de difficulté. Mais le problème, c'est... Moi, j'ai lu les communiqués. Hein. J'ai lu le communiqué de l'Église. Je l'ai vu. Je l'ai lu. En les lisant, vous n'avez pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Tout est bien dit, tout est bien clair, tout ça. Mais l'accent qu'ils mettent eux-mêmes sur des questions électorales, on a comme l'impression que les élections veulent dire des entreprises. Élection veut dire la paix à l'est du pays. Élection veut dire construction des usines, création d'emplois. Élection veut dire infrastructure. Élection veut dire ressort de notre politique agraire. En fait, on a comme cette impression-là. Alors que ce pays est déchiré par la pauvreté, par l'égoïsme, par la méchanceté des hommes, par la mauvaise qualité des animateurs, partout, par beaucoup de problèmes. Les véritables problèmes au Congo sont d'abord principalement des problèmes sociaux. Et puis des problèmes sécuritaires. Les gens vont dire sécuritaire avant. Non. Sécuritaire après les besoins sociaux.
Parce que tous ces jeunes qui sont enrôlés à l'est de la République pour s'aimer le chaos là-bas, pour servir dans l'entreprise criminelle qui sévit à l'est de la République, c'est des hommes et des garçons désœuvrés. C'est des victimes d'un système inutile et un système de corrompus et de délateurs. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés dans le chemin du développement. Ils ont été abandonnés. Ils n'ont pas eu droit à l'école, leurs parents n'ont pas eu droit à une retraite décente, ils n'ont peut-être pas eu droit à l'emploi, ils n'ont pas d'activité. Et ils se retrouvent dans une situation où il y a une activité meurtrière, mais qui produit de l'argent. Ils font quoi? Saint Thomas d'Aquin l'a dit, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Cicéron le dit, ne demandez pas aux hommes affamés d'être conscients. Il n'y a point de conscience quand on est affamé. Alors je pense qu'à un moment donné, si nous ne nous posons pas des bonnes questions, eh bien on sort de la logique, quoi. On s'écarte. Et l'Église catholique emboîte les pas des politiciens. L'Église catholique emboîte les pas des politiciens et des politiciens en mal de positionnement qui parlent du glissement. Et c'est M. Mozuto dans son euphorie, c'est M. Mozuto dans sa distraction la plus extrême qui envoie tout le monde dans cette voie-là. Parler des élections 3 ans avant. On parle des élections 3 ans avant si les préalables ou s'il y a des indicateurs qui prouvent que l'actuel régime a besoin d'étanguer ou l'actuel régime a besoin de glisser. Pour savoir que l'actuel régime a besoin de glisser, comme à l'époque de Kabila, nous l'entendons des collaborateurs proches du président. Nous entendons des déclarations ambiguës des membres du gouvernement. Je prends un cas simple. Il faut qu'Augustin Kabouya vous dise qu'ils vont violer la Constitution, ou qu'ils vous disent qu'ils ne vont pas respecter la Constitution, ou qu'ils vous disent subtilement qu'ils vont rester au pouvoir le plus longtemps que possible. Je n'ai pas entendu M. Kabouya le dire. Il faut entendre ça chez M. Kabound. Je n'ai pas entendu Kabound le dire. Voici là les deux têtes. Comparé à l'époque de Kabila, Chadar, il nous avait déjà dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Il avait dit. Il s'est même opposé à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il s'est même donné le pouvoir de contrôler, d'interpréter un arrêt de la Cour. On a entendu ça. Nous avons entendu. Babilo Kamodel Wana n'a pas autorité et à haut niveau. Baloba Yango déjà. Monsieur Mende nous a dit ici avant d'aller aux élections, il a dit clairement que le ciel ne va pas tomber même s'il n'y a pas élection en 2016. Il a dit. C'est ce qui poussait l'opposition à l'époque de dire non au troisième mandat, non au glissement. C'était ça le problème. Mais ici, maintenant, dans les cas d'espèce, qui avez-vous entendu dire qu'on ne va pas organiser les élections en 2023? Je pense que les gens vont dire, parce qu'il faut être sincère avec moi-même, les gens vont dire, non, tu n'as pas entendu? Le ministre de la Défense, le ministre délégué de la Défense, il a dit qu'ils vont faire la remise et reprise avec Félix, avec Jésus. Oui, ça, on peut considérer ça comme peut-être une raison. Mais monsieur qui a dit, c'est un membre du gouvernement. Le gouvernement était géré par qui? Par monsieur Ilunga. Mais monsieur Sylvain Moutombo, est-il cadre de l'UDPS? Non. C'est un allié de l'UDPS. Est-ce qu'il est président de l'UDPS? Non. Il est vice-président? Non. Il est secrétaire général? Non. Donc, en réalité, on ne peut pas accorder beaucoup de crédit et fonder son développement sur ça. Ou alors, s'il faut répondre, il faut répondre aux détracteurs ou aux ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection. Mais vous n'allez pas donner ça et surtout aller voir le chef de l'État pour lui dire « Monsieur le Président, nous voulons que organiser l'élection en 2023. » C'est comme si vous trouvez une femme enceinte et vous lui dites « Maman, tu l'as mis en 9 mois. » Mais elle est en 9 mois. Vous n'avez pas besoin d'en parler maintenant. Par contre, préoccupez-vous de comment l'enfant va naître. Est-ce que l'enfant est dans de bonnes conditions? Est-ce que vous avez prévu un bon à l'hôpital? Est-ce que vous prévoyez un bon à la couche? Est-ce que vous prévoyez un bon à Yakubika? Est-ce que vous prévoyez un Bilokonanios? Vous ne prévoyez rien. Tout ce que vous voulez, organisons les élections. Comme si quand on organise les élections, le problème du pays est si limbamoko. On résout le problème du pays. Non. C'est cet accent que l'Église catholique a sur des questions, que les évêques, Yassenko, Bazanango, sur des questions électorales, ils ont inquiété, moi, Moukie. Mais Nathalie, na déclaration de Bango, na moni ba proposition, ba recommandation, au Basali. Et ça, c'est une bonne recommandation. Sur l'éthique, il y a gouvernement. Et ça, la bonne. La CPD n'a pas recommandation. Au Basali, il y a une recommandation. Il y a bien. Mais l'accent, il y a 2023, il y a un sens dans le côté. Par contre,
Namoni, pourquoi présidence à répondre t'es? Surtout direction à communication à chef de l'État. N'habite pourquoi bah, répondre à la communiqué voilà. N'habite pourquoi ils répondent. Ils n'auraient pas dû répondre. Parce que qu'on répondre, et puis bon, on va répondre à point gagamoko, point élection. Ils n'auraient pas dû répondre. Alors ceux qui vont bah, répondre, ils auraient dû répondre à tous les points. Parce que ceux qui m'ont répondu caca na marambouya ya élection, ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher. Parce que tout est toujours un avantage nabino. Il y a encore 3 ans. L'année électorale n'est pas encore déclarée. Tout n'est pas encore perdu. On est encore là. On aurait pu peut-être demander tout banana nous au niveau à l'Assemblée nationale. Comme il y a déjà une majorité parlementaire, travaillons dans le sens de construire maintenant atmosphère et élection. Faisons ça comme ça. Le pays ne va pas vivre que des élections. Moi, je vous le dis, le pays ne vivra pas que des élections. Le pays vivra du social, vivra de la justice, vivra de la sécurité, vivra de la moralité, de l'intégrité. Voici les éléments où il faut passer à l'examen. Les élections, non, ne sont qu'une conséquence. T'aurais qu'on parle de ma cambote, sinon on est dans une démarche politicienne et on est foutu. Les élections ne règlent pas nos problèmes. Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas le nombre des élections que vous organisez qui finissent par déterminer le développement d'un pays. Non. Ce n'est même pas la qualité des élections que vous faites qui détermine le développement d'un pays. Non plus. Mais c'est plutôt bateau et badana ba idée. Il y a ben l'âme pour le retour de la boucle. Ne vous en faites pas. Les idées déclarées lors des campagnes électorales sont des idées à ne pas prendre en considération. Parce que lors des élections, tout le monde a des belles idées. Tout le monde a des belles idées. Mais cependant, tous ne les appliquent pas. Parce qu'il y a des idées volées, il y a des idées copiées, il y a des idées qu'on ne maîtrise pas. Quelqu'un vient vous raconter, il va vous donner le ciel et la terre. Ce n'est pas comme ça. Et en Afrique, on le sait tous, le taux d'éducation impacte sévèrement à la qualité des choix, disons, à la qualité de nos choix, des animateurs que nous choisissons. Généralement, plus il y a du duo, plus il y a des incapables à l'Assemblée nationale. Plus il y a du duo, plus il y a des incapables au Sénat. Parce que les élections ne sont que le reflet de ce que vous êtes. Si vous êtes une agglomération de Bololé, ben vous allez donner naissance aux députés Bololé. Ça va être la même chose, il n'y aura pas de différence. Les faibles sont élus par les faibles. Et comme les faibles sont majoritaires dans un système qui a entretenu l'abrutissement collectif et l'imbécilisation collective, c'est normal que les élus soient exactement le reflet de leurs électeurs. Les désordres que nous voyons dans la rue sont les mêmes désordres que nous voyons à l'Assemblée nationale. Les incongruités que le peuple raconte tous les jours dans la rue, ce sont les incongruités que les députés racontent dans les chaînes de télévision, et même au niveau du perchoir. La même délinquance que nous voyons dans la rue, c'est la même délinquance que nos députés et nos sénateurs ont. Sinon, comment vous expliquez qu'un sénateur insulte une femme? Comment vous expliquez ça? Sinon, comment vous expliquez qu'un sénateur prenne l'argent de l'État à Kenanganda Kunabango? Ce sont les comportements des gens de la rue. Parce qu'ils sont le reflet de la société. Tant qu'on aura une société vandalisée en termes d'esprit, quand on aura une société pauvre en termes d'esprit, on aura des sénateurs et des députés malhonnêtes. Et comme le gouvernement émane de l'Assemblée nationale, ben, ouais, vous avez vu la suite. La suite est comme ça. Donc il y a des choses qu'il faudrait finalement regarder, mais malheureusement, l'Église catholique ne regarde pas ça de cette façon-là. Nous pensons, nous avons besoin des revendications. On a besoin de propositions sur comment électrifier toute la RDC. Sur comment doter la RDC d'un véritable programme alimentaire, un véritable programme agraire, un programme d'ambition. Voilà le problème que nous voulons. Moi, je pense quand même que les évêques, ceux qui balignent Mbogamoming, vous aurez pu créer un bureau de réception de projets. Comme ça, vous allez faire le lobbying, comme vous voulez faire le lobbying à Batouana Mouka. Vous allez plutôt faire le bon lobbying à projet à Batouana. Vous avez l'église catholique, vous avez mon aîné. Vous avez l'église catholique, nous ouvrons un bureau, il y a une étude, il y a un projet pour le développement de Mbouk. On a un projet à courant, on a un projet à maïe, on a un projet à balabala. Vous avez un projet, on a trouvé ça à l'étude, mon autre temps, on a un projet à malam. Nous allons soutenir ce projet-là. Quand vous allez voir le chef de l'État, vous lui amenez ne serait-ce que ce projet. Vous lui apportez ne serait-ce que ce projet, monsieur le président, voici le projet pour sortir le pays de l'enclavement. Voici le projet pour désengorger les prisons.
Voici le projet pour nourrir 1 million de Congolais. Voici le projet pour créer autant d'emplois. Voici une proposition des partenaires qui viennent de l'étranger. Si l'Église veut, peut faire ça aussi. Mais quand on va dire ça, l'Église va dire non, ce n'est pas mon rôle. Ah, votre rôle, c'est quoi? C'est le rôle des élections seulement. Rôle de la communauté à l'élection, et là, accompagner, bâtir le projet de la communauté. Non, moi, je crois que l'Église catholique a fait beaucoup de choses dans ce pays. Des écoles, des instituts, de tout. Beaucoup de choses vous avez faites. Alors, nous voulons faire plus que ça. Voilà un peu, moi, mon point de vue sur la question de la Cinco, le Makambo Italie, Église. Pardon, Italie, Kondi Manabango, sinon, Makambo Élection. Il y a aussi le communiqué, il y a la Mouka. Alors, comme je l'avais dit, André Naibaka, que la Mouka va comme formellement mi balé. Et donc, là, vous avez dit la Mouka formellement. Honorable Boris Mboukoulouka, honorable Eve Bazaïba, honorable Jacques Njoli, honorable Christian Mwando. Vous avez dit que Bango peut faire ça qui la Mouka. Ce que Bango va produire peut communiquer na Bango. Et dans leur communiqué, il a été dit clairement que, conformément à l'article na Bango, on attend encore l'autre fois, je crois. Le point 14 relatif à la décision consensuelle prise le 10 octobre, la coordination tournante à la Mouka et qu'on allait assurer la bateau 4. Toute révision est réputée non avenue. L'autonomie des membres fondateurs ainsi que leur parti et regroupement n'a pas été respectée par les signataires du dit communiqué. En effet, l'action menée par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ayant pour objectif de mettre fin à la dictature kabyliste et conforme aux objectifs de la Mouka. Donc, bateau, dans la contradiction, Sikoyo, Zali Martin Fayulu, na Adolphe Mozito, c'est des contradicteurs alors hors pair. Dans la contradiction, moko hors pair. Je l'avais dit bien l'autre fois. Ils ont le plus petit parti. Il y a un groupement dans la Mouka. Le parti, Miki et Asuka, il a dit parti à Essidé. La partie Nouvel Élan. Je n'ai aucun. Mesdames, ma bête, quoi. Nazo fingate. Non. Quand on va partir de Moukie, et là, par rapport, il y a. On a expliqué à déjà. Et si des. Ils ont collé les locaux là. Bazo collé, cocola. Et Bakoussou, Bazo ya ou Baksamana. Et si des, c'est bien. Mais ça reste un parti, un petit parti, par rapport, il y a un grand parti. Quand on dit grand et petit parti, ils ont par rapport à l'idéologie na Bangote. On ne vous trompe pas. Ils ont par rapport à l'idéologie na Bangote, parce qu'il n'y a pas une idéologie meilleure que celle des autres. Ce sont des convictions que les gens à Bazaranango. Le socialisme n'est pas plus important que le communisme. L'idéologie du communiste et l'idéologie du socialisme, du communisme, pardon, et du socialisme, il y a deux idéologies et il y a deux idéologies. Mais moi, je pense qu'il y a la meilleure. Chacun a ses convictions et soutient ses convictions. Mais grandeur et parti, il y a par rapport à la représentation de Bango au sein des institutions. Mais attention, il y a des partis aussi des masses. On peut retrouver un parti fort qui a une forte adhésion. Il y a population, mais bazana nous nakati ya institution té ezala rapé. Ça arrive de moment où ce parti est dans l'opposition, peut-être. Ça arrive aussi de moment où ce parti a connu des problèmes et comment nango. Mais ce n'est pas le cas de la Mouka maintenant, parce que la Mouka n'est pas un parti politique. C'est le cas où il faut parler de SID et de Nouvel Élan. Je crois qu'avec le temps, certainement avec le temps, le parti de SID et le parti de Nouvel Élan, peut-être les Gozobatou, les Gozopé, députés, les Gozoa. Mais pour l'instant, c'est des petits partis par rapport, il y a MLC, par rapport, il y a ensemble, il y a députés, Bénin, l'Assemblée nationale. Donc, il faut que maintenant comprendre. Et Bango a produit communiquer à Bango en étant contre communiquer à la Mouka ou à Martin Fayulu. Ça sera peut-être plutôt la plus belle lettre. Ça sera la plus belle chose de ce mandat. L'une des plus belles choses. Le chef de l'État a écrit une lettre à la veuve Milambo. Et dans cette lettre, on sent de l'humanité, on sent de l'amour et de l'affection dans Moto Akoufi. C'est bien fait. Famille Yabate Bele Bakoufa na Estewana, lettre à Kabila Aboyetika la cause à la terre.
Mobutu en a comme ça à l'époque. Mobutu écrivait, oui, Mobutu parlait. Mais Oyo, tout le monde en a noté. Un président qui écrit à une veuve. Une veuve. À combien de moments on a picoté une veuve, particulièrement. En l'appelant par le nom de son mari. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Oh, c'est les mamies, il est aux États-Unis, dans la France, dans le pays où on a. Oh, que président, on a une soda koufi. Ben, il est famille, il a mis nos drapeaux. Là. C'est, en fait, c'est une marque de reconnaissance, d'attachement à un d'un président na motonaie. Parce que le gouvernement bateau contre Fachi, hein. Va vendre dans le Canada, va vendre dans la France, va vendre dans la Poto. Et là, quand le Bangote, ils parleront pas de ça. Non, ils ne parleront pas. Hein. Parce que oh les talibans, oh maman que oh les coups, ma belle dit coup. Non, pourtant ça devrait être normal. Il faut comme à niveau oh au comment le président lettre à 9h, va répondre au peine à 10h. Ce que ça moulaï, comme il va répondre au peine à 24h. Pour moi, il faut que nous ayons un contact comme ça. J'écris à un ministère et le ministère me répond. J'écris au président et le président me répond. Je me rappelle encore de la lettre qui m'a. Moi, ce qui a fait que j'aime Obama, ce qui a fait que j'apprécie Obama, c'est la réponse d'Obama à une fille de 8 ans, si je ne me trompe pas. Obama avait répondu à une jeune fille de 8 ans qui avait écrit à Obama pour lui dire qu'elle était menacée à l'école parce qu'elle était la fille des homosexuels. Deux homosexuels, Bazakine et Baparanae, alors Bazakine et Finga dans la classe. Elle a écrit au président. Et la lettre, le président américain a répondu à ça. Ne vous en faites pas, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui prend la main en nous commentant. C'est tout un service. Mais ce service-là est dicté par la volonté d'un chef. Il dit non, 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 je suis élu par eux. Donc quand un citoyen m'écrit, il faut me répondre. Et on répond au citoyen en fonction de sa demande. Et la lettre, elle est merveilleuse. Je dis au président de la République, voici ce qui va vous différencier des autres. Vous, la différence, c'est que vous avez un cœur. Vous avez un cœur qui ne supporte pas la douleur. Vous avez un cœur qui n'aime pas l'injustice. Ça, c'est bien. Et ce n'est pas vous louer, ce n'est pas non plus vous flatter, mais c'est reconnaître vos qualités. Nous ne devons pas être un peuple qui ne voit que le défaut. Il faut aussi qu'on soit un peuple qui regarde le bon côté. Lorsque Fayulu a félicité Batou, j'ai dit bien, quand Fayulu a parlé de Chebert, mais c'est pas là qu'il a mon avis, c'est bien. C'est comme ça aussi. Quand il fait des choses bien, applaudissons, disons c'est bien, faites mieux encore. Avant, allez plus loin que ça. Mais en même temps, s'il faut que vous écrivez à tous ceux qui meurent à l'est du pays, vous n'aurez pas le temps. Hein? Vous serez en train d'écrire. Mais c'est bien. Tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il faut qu'il y ait de la justice de l'autre côté. Il faut au moins que le... Excusez-moi. Que ceux qui sont endeuillés comprennent et soient convaincus que le chef de l'État porte leur deuil. Ouais. Il faut que Bateau couffe sa bateau. Bah, et baraque. Mokondiambo Kanabino a porté deuil, Wana. Il en fait un problème personnel jusqu'à régler le problème. Parce que ça ne sert à rien de contempler, mais de régler le problème. Il va le faire. Alors, on va aller avec des propos. Mesdames et messieurs, vous avez appris l'arrestation et la condamnation d'un président, d'un ancien président français. Dans quelle partie n'a été télémis, hein? Dans quelle province n'a été Batélémy? Dans quelle bagangue n'a charnémenté? Dans quelle bilocorate? Je n'ai pas entendu de déclarations scandaleuses de son parti ou des gens de sa province. Dans quelle je combat aucun des dit. Je crois que la Senko fait des revendications hypocrites. La Senko fait la logique du diable à chaque fois. Elle ne cherche pas à résoudre le problème en amont pour venir crier à la fraude en aval. C'est curieux. Pour les religieux, il faut d'abord faire l'évaluation et l'audit du processus électoral de 2018. Apporter les corrections nécessaires au niveau des lois et des outils techniques, logistiques, avant de s'exclamer. Halte au populisme démagogique. Moi, je ne comprends pas la logique de M. Tshikomba. Je ne comprends pas du tout. En fait, tu ne vas pas demander à la Senko de se substituer en CENI. En fait, qu'est-ce que vous demandez à la Senko dans cette proposition? Où est le mal de la Senko? Demander qu'il y ait des élections, c'est là le mal. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qu'est-ce que vous leur demandez? Moi, ma réproche à moi, à la Senko, elle est claire. Je dis que la Senko, elle devrait se préoccuper sur des questions beaucoup plus existentielles, sur des véritables questions de notre existence en tant que peuple. Et le peuple ne vivra pas que des élections. Mais le peuple vit de la bonne gouvernance.
Et la bonne gouvernance ne découle pas toujours des élections. La bonne gouvernance est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est une culture politique. Voici mon point de vue. Mais vous, quel est votre point de vue sur la Cinco? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous dites par exemple que il faut faire d'abord l'évaluation de l'audit. Qui doit faire l'évaluation et l'audit? Qui le fait? Si vous dites que la Cinco, alors vous avez attribué à la Cinco un pouvoir qu'il n'a pas. La Cinco n'est pas différente des ONG. Elle n'est pas différente de groupes de pression. Et vous n'allez pas demander à ces gens-là de faire l'évaluation. Sinon, quel sera le crédit de leur évaluation? Quel va être le crédit que vous allez accorder à cette évaluation? Ce sera quoi la légitimité de leurs travaux? Monsieur Chikomba, quand vous faites des analyses, faites-le quand même comme des... Je crois comme des intellectuels. Sinon, on est en train de faire des choses. Ça ne sert à rien. Mais la deuxième partie de votre analyse me semble être importante. Logique. Vous dites, il est important que les élections soient bien organisées pour consolider notre démocratie et la pérennité du transfert pacifique du pouvoir. Sans ces préalables, c'est encore des élections chaotiques qui seront organisées avec autres 5 ans de lutte de légitimité. Rien ne peut nous empêcher d'améliorer les choses pour réduire les revendications légitimes des candidats et des électeurs. Je suis totalement d'accord avec vous sur cette position. Parce que c'est notre position. Nous pensons que c'est à nous de construire un cycle électoral qui correspond à nos valeurs, à nos idéaux. C'est à nous de décider. Quel type d'élection voulons-nous avoir? Comment devrions-nous les avoir? Quand devrions-nous les avoir? Pourquoi faut-il les avoir? Comment faut-il les avoir? C'est à nous de décider. C'est à nous de définir notre vie électorale. C'est à nous de décider notre instrument, ou si vous voulez, nos instrumentum. C'est à nous de les décider. Ça ne sera pas des choses qu'on va prendre en France, en Europe et aux États-Unis. Nous devons définir notre culture électorale. Il faut définir la culture électorale. Il faut définir le cycle électoral. Il faut définir une pensée électorale. Quand on aura fini ces choses-là, le agir électoral sera beaucoup plus clair. Et on n'aura plus ces problèmes de légitimité, des revendications. On n'aura plus. Il n'y aura jamais des élections saintes et parfaites dans le monde. Ça, c'est un idéal. Il n'y en aura jamais. Mais la volonté de réduire le taux de revendication et la volonté de nourrir convenablement notre légitimité électorale dépendra de ce que nous allons faire. Donc je suis d'accord avec vous sur votre deuxième paragraphe, mais pas d'accord avec vous sur le premier paragraphe où vous me paraissez évasif. Bande Konabiso, il y a PPRD. Moko et PPRD à lobby, les évêques catholiques connus pour leur haut sens d'objectivité et de moralité, ont donné le temps. Ah, le lobby, comme il n'a haut sens, il y a Bolingi va au Ming, Bolingi va au Ming, au niveau, il y a conférence, haut sens, il y a des Bolingi au Ming. Mais je voudrais savoir, et là, on a échangé entre Basango, Oyo, Naba Obino, Bolola, Namoto, Népoca Kabil, Obola, Nambang, Sango, Nébarate, qui va se rappeler Basport, à nous sauter mur, quoi, bim. Bon, ça, bon, combien de moupes Ah oui, la kakinga est motouka, la mona motouka, tout beaucoup de niveau qu'on s'amoumpe. Bah. T'as la lilo. Alors, il y a des propos quand même que sur le dossier Vital Kamerhe. Bon, ça c'est un avocat, je ne vais pas dire plus. Mais un avocat, la déontologie, il y a un avocat, ils ont permettre Bango de ça là-bas, commentaire. N'a une affaire où il y a déjà en justice. Et en cours de justice, avocat, a ça un commentaire dans le fond, t'es. A gros, ça un commentaire dans la forme, et ainsi de suite. Mais un avocat qui disculpe un condamné, n'a pas qu'il y a
il y a appel, bah, il faut encore voir un avocat à place. Un autre élément. Comment un avocat peut dire que Félix Tshisekedi est méchant? Donc cet avocat-là pense dans sa tête que c'est Félix Tshisekedi qui a condamné Vital Kamerhe. Bon, on a un avocat à placer. Un avocat Bongandanga, un avocat y a bon Benzen. Alors ça a botin. Un avocat à Paris. Un avocat à Lyon. Un avocat à New York. À quoi un niveau réfléchir modèle on atteint? Comment quelqu'un peut dire, et puis il est à l'aise, sans rire. Non, Félix va condamner Kamerhe, c'est que Félix a monté ma vie. Oh, qu'est-ce que Félix doit faire? Sera si misé dans ma justice, comme yo, dictature, de Polinga Kanini, Toluka Kanini. Voilà un peu, mesdames et messieurs, nous retournons à tout Kabolona, bino lelo. Et ça, il y a un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement, demain déjà, que la peur qui nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Maman Marthe, née par le bishop Africa Union. Et donc, t'es un gnosso, biloko ya, 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 congolais. On y la yo, a sali sa yote. Bon la Korea la yo, moko ma bon de la yo. Bon la mtoto na yo, moko ya elei. Moko ma bon de la yo, par le bio. Bio Africa Union. Et donc, t'es un gnosso, tout à l'heure, si moi, si non, voyez pas, y a du non, voyez à l'île. Bon, va t'en comprendre, t'es maoua. Va congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, la Coriana, puis nous, mon corps. Va t'en aller, la Guino, la Guino. Coriana, appétit. Yeah, but